Yeah. Bienvenue à tous pour ces Nation Wars 2019, une petite entrée en matière un petit peu rocambolesque. Je pense que c'est l'intro la plus fluide qu'on a eue depuis très longtemps, clairement. Je suis en compagnie d'Alghost et TKL, comment vous allez messieurs pour cette petite poule D des Round Robin. Ça va tranquillement. Ça va bien, moi je me sens prêt à prendre mon rôle en tant que porte-parole pour les alcooliques anonymes et dire que l'alcool c'est mal. Yes. Voilà, j'ai passé une longue nuit, mais ça, je suis ultra hypé par les matchs et ça va aider à bien se remettre. Clairement. Ça c'est un des remèdes à la gueule de bois, ouais. C'est l'énergie, la hype, la passion. Le skill. Et tout simplement le kiff de StarCraft 2. Petite vidéo explicative du format, vous la connaissez peut-être, mais dans le doute, on vous la remet pour être sûr que vous sachiez où on en est dans la compète. Rappelons que Nation Wars, c'est une compétition qui dure sur facile 3 mois au total. Donc, on est en plein round robin, et à quoi ça va nous mener derrière? Explication. Cette année, le format des Nation Wars a été ajusté pour accueillir plus de concurrents. La compétition démarre avec un premier tour à 40 nations. Les 8 pays ayant remporté le plus de points WCS sont automatiquement qualifiés pour le tour suivant. Les 32 pays restants, quant à eux, s'affronteront dans un match à élimination directe. Les 16 gagnants rejoignent les pays déjà pré-qualifiés et continuent la compétition où 8 groupes de 3 pays se préparent à jouer sous le format Round Robin. Dans chaque groupe, le pays qui a le score le plus bas est éliminé. Les 16 pays restants sont divisés en 4 groupes pour jouer le fameux bracket à double élimination, aussi appelé groupe GSL. Les 8 premiers pays continuent à jouer dans un bracket à élimination simple et les quarts de finalistes s'affronteront en direct à Paris pour décrocher le titre de champion des Nation Wars 2019. Les Nation Wars 2019. Allez, ça part. Donc du coup, ce soir, messieurs, Pays-Bas, Allemagne, Chili. Oui. Ouais. C'est ça, c'est les trois protagonistes. On veut vous rassurer, la personne qui a enregistré cette vidéo ne s'est pas suicidée. si jamais vous posiez la question. Mais personne ne se posait cette question. D'accord, moi je me la suis posée pendant une seconde et puis je l'ai croisée, donc ça va. Mais du coup, Allemagne, Chili, Pays-Bas, on a... pas beaucoup d'interrogations pour ce soir. Chili qui sort premier de groupe. Chili qui se fait 0-8 mais qu'est-ce qu'il dit à l'image de la Norvège. Et en fait, la question, il y a un moment où potentiellement le Chili fait un meilleur score en Nation Wars 2019 que la Norvège parce qu'il y a Rhett et que Rhett il est peut-être battable, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais après, peut-être que ça se trouve, la draft va être bien menée. Moi, je pense qu'un Uthermal il va réussir à envoyer Warstem, ils vont envoyer Rhett contre le Chilien le moins fort. Et normalement, ça devrait bien se passer. En vrai, c'est qui le Chilien le moins fort? Ouais, c'est ça la vraie question. Est-ce que c'est Dastan, Alfbrid ou l'autre? Ou Obi-Wan Kenobi. C'est ça. Choisissez votre fighter. Non, écoute, je sais pas, mais moi, la grosse interrogation et ma grosse hype de ce soir, elle est sur Rhett. Je sais pas ce que ça donne. Est-ce que c'est du 5K8 qui s'est fait hyper et qui est voté, ou est-ce que c'est du 6K4 ladder hero peut-être? Mais en tout cas, tu vois, avec un gros niveau de jeu qui peut donner un tout petit peu chaud à un mec qui se fait balayer après, probablement qu'il va pas battre. Parce que rappelons que la team Allemagne, elle est monstrueuse. Ouais, clairement. Lambo, Hero, Martin, Showtime. C'est la meilleure team allemande ever. C'est bon, on a Tej Tielo, tu vois. Ils ont tous été à la BlizzCon au moins une fois en fait. Déjà rien que ça, c'est une stat insane. Il y a aucun pays qui peut dire ça, que l'intégralité de leur. À part la Corée. Il y a aucune team qui peut être en mode. Ouais, bah en fait, tous nos joueurs sont allés au moins une fois à la BlizzCon pour jouer les matchs. Bah ouais, tout MDR, j'adore la Californie. Tous ont tapé une demi-finale dans l'année aussi. Genre en WCS et tout. Donc non. La team Allemagne, c'est probablement une des meilleures équipes du tournoi. Elle est top 2, top 3 pour moi. Finale contre l'Italie, tu vois. Finale contre la Corée, l'Italie se fait plier en deux en quart, tu vois. Ouais. Ok, ok. Donc voilà, on les voit ici à l'écran. Première sélection de Lambeau, enfin. Il doit être content. Ah ouais, c'est vrai. Parce qu'à chaque fois, il se faisait bouffer la place par Tielo. Et mec, je suis très surpris de voir qu'Hiromarine est là depuis plus longtemps que Showtime en fait. Ouais, 6 sélections, effectivement. Hiromarine, ça a été pendant très longtemps le joueur terrain allemand en fait. 6 sélections, ça veut surtout dire qu'il était là à 16 ans, quoi. Ouais. On met pas de limite d'âge, hein, mais c'est comme Raynor qui a genre 5 sélections et qui du coup a participé à son premier Nation Wars. 10-11 ans. Ouais, parce que l'Italie a été intégrée au pool de Nation Wars que à Nation Wars 2 en fait. Ouais. Donc forcément, il pouvait pas faire les 6. Mais comparativement, genre Showtime il a vraiment explosé genre fin 2015, début 2016. Et du coup, bah ouais, avant ça, il y avait d'autres joueurs allemands qui étaient très forts aussi. À l'époque, il y avait Azuops, il y avait Soke, etc. Et genre, bon, est-ce qu'on pense au petit Showtime qui, bon, il est bien mignon, mais à l'époque, c'était un tout basoliner, hein, rappelez-vous. Maintenant, c'est un macro god. Évidemment, mais bon, là le Chili tout de suite c'est une autre paire de manches, surtout en termes de ratio. On s'est pas trop attardé dessus sur le truc sur le visuel allemand, mais il y avait 15, 14 et 38, 18 pour Showtime, et là du coup il y a du 0-0, 1-3, 0-0.
Donc il y a moins de performance quand même. Bah, quand on t'a pas donné l'opportunité de, de briller, eh bien tu ne brilles pas. Et c'est peut-être maintenant que le Chili va le faire. On a d'ailleurs les deux capitaines en interview. On va aller écouter ça très attentivement. Tell us a little bit about yourself and also El Seba, because we are a little bit in the dark. Well, Halfbreed is a Dignitas killer, ex-Dignitas killers. El Seba is a mid GM from Nea server. He plays a lot. I don't know if he plays Broodwatt or he plays a lot of StarCraft 2. Well, me, I play since 5 years, I think. Yeah, 5 years. I'm a bit Protoss player, but I try my best. Okay, and obviously, what did you think when you saw the group drawing for the round of 24? Like, you knew it was most likely going to be tough, but then you see Germany and the Netherlands. Yeah, we saw Germany and then Netherlands, and we see, oh my god, we are dead. But at least we're going to play against Big Gabe, Big Meme, like you say. So it's going to be nice. I'm very happy. My team is very happy. So you say that we lost anything. So let's try. Gabe, you've been performing really well in this year's WCS, but now it's you're representing the Motherlands. And you've got some really good teammates. There is some high expectations out of Germany. Like, are you feeling any added pressure because of this? Does this feel different than a regular solo tournament, or is it business as usual? No, I think it's pretty okay for us. Like, I'm feeling pretty okay about it, and in general, I think it's a little more relaxed atmosphere because it's a team event. So the pressure is not only on one person, but pretty much a split between everybody. So I think that makes us feel very relieved. And it doesn't feel like this like very serious tournament, because it's another great tournament besides like WCS. So it's like an additional one, and we're always grateful for that. I have a question for you as well, Gabe. I think while the voting was going on, I believe that you also told people to vote for this exact lineup, right? Is this your dream lineup when it comes to Germany? This year, definitely. Like, Lambo finally proved last year that he deserves to be in this lineup, like, undoubtedly. And I'm pretty satisfied with the lineup, of course, because I think any of us could all kill, like, any nation, maybe. On a lucky day, of course, also, like, South Korea or even Finland. So, yeah, I feel like Lambo is giving us an extra addition here that we haven't had before. Like, of course, TLO was nice. He's a very experienced player. But having a Zerg to fall back to, I think, is in these team events very important nowadays. And TLO is also a Zerg, but I think Lambo is, like, much stronger again, or much stronger in terms of consistency. Yeah. And I think that's what we are lacking at Nation Wars. Like, sometimes we lose, like, last year's series is 4-0, even though they should probably not go that way. And I feel like with another consistent player in Lambo, and one of the best in Europe, we can have that consistency that we're lacking recently. Awesome. So what's your expectations then going into this tournament? Are you already aiming for the offline finals? You think grand finals? You think if you lose before the grand finals, like, it would be like an upset? Like, it's not supposed to happen? We're definitely aiming for the top four, I think. That's goal number one. If we can get top four, that'd be great. For now, the goal is to get top eight, I think. And when we get top eight, we will prepare hard enough for the top four. That's so, for now, our plan. Not too worried about Netherlands? I mean, this group doesn't matter too much, because we pretty much only have to win one out of two games. And being second or first place in the end is not going to matter too much, I think. Ah, but Gabe, Germany versus the Netherlands always matters. You know that. Sure. Yeah, it does. All right. Bye. Give me a prediction, Hero Marine, that's not a 4-0. Not a 4-0. Nah, that's going to be a hard one, I think. I don't think we got, like, any mirror matchups. So, like, without mirror matchups, I don't see a 4-1 happening, honestly. A 4-0, like, anything else in a 4-0 happening. I have one last question, maybe for Dustin as well. Sorry, Gabe, to cut you off there. I thought you were done. Yeah. Dustin, did you guys, like, prepare something specifically here? Because obviously, you know, you're the underdog as well. Like, did you guys come together and be like, all right, we need to come up with some weird stuff to potentially cause an upset here? Oh, you're muted, mate.
We can't hear you right now. All right. Yeah, I think you're back. No, never mind. We don't hear you anymore. Sorry. Well, I tried. Gabe was too big and mighty. Yeah. Yeah. I think you, Dasa, I think you have muted yourself. No, okay. Well, I don't know. Sorry, Gabe. Go ahead. I take away the entire interview. I'm too big for this one. Cutting off his microphone. Feeding the memes. I love it. Yeah. I really love it. All right. Well, I think then we are pretty much good to go, right, Johan? Actually, here, Marin, I want you to send a message out to the Netherlands already. To the Netherlands? Yeah. Already? Nah, let's do that later yeah, on. Yeah, I agree. All right. Like, yeah, he's in charge. Like, big Gabe's in charge. The team captain this place. Year. Just wait until Luca shows up. All right, Gabe and Dustin, thank you guys so much. Sorry, Dustin, that it didn't work there in the end, but wish you all the luck today and, of course, in this upcoming Nation Wars. And we'll see you guys in game. Good luck. Good luck. Bye-bye. Un Gabe légèrement cheeky. Cheeky, Gabe. Qui a bien voulu jouer un peu le jeu des casters tout en restant dans le respect parce qu'au bout d'un moment, on est là pour le sport, on est là pour le fair play, la passion. Bien sûr. Et le partage parce que voilà, Nation Wars, c'est aussi ça. C'est le fait de pouvoir inclure la totalité du globe terrestre dans cette magnifique compétition. Voilà, atmosphère qu'est StarCraft 2. Ce petit univers que nous avons réussi à créer et à conserver pendant 9 ans. Ce microcosme, voilà. Exactement. Ah, yeah, les grands espèces rencontrent Tantan. Truc de dingue. Ouais, moi j'aime bien Tantan. C'est pas mal Tantan. Ouais, tu sais qu'il y a Nathan, il dit ça pour dire tétine. Il fait tétine comme ça. Donc ça se trouve, bientôt il dira Tantan au lieu de tétine. Et il va devenir con. Ah, mais du coup, ça marche bien pour le ghost aussi. Lui aussi, il se fait énormément pépon. Yes. Mais ouais, non, c'est terrible. Excusez-moi. Elle était. Sortie de route. Elle était logique et je l'ai pas vu venir. C'était la continuité. J'ai pas pu t'arrêter parce que genre vraiment, mon cerveau n'aurait pas pu y arriver. Mais apparemment, comme je suis Alnos moderne, je suis presque si décevant. Ça vous dérange pas. Ah bah oui. Alors l'Allemagne contre le Chili. C'est Lambo contre Dastan. Non mais je vous écoute plus. Chili en Marine, Alfred et Showtime. Lesbra. Tantan il est là, mais moi je veux juste parler du jeu et du match. Au pire, voilà, vous parlez de vos trucs entre vous. Non, tu vas personne, avoir un broodlord d'infestateur, tu vas participer à nos discussions dans 20 minutes. Hein, ouais. Ok, j'avoue, je vais pas fermer la porte complètement. Je vais laisser entrebâiller un petit peu. Genre, ok, bon, finalement il y a encore de la lumière, je peux venir. on verra comment est-ce que ça se goupille. En tous les cas, on commence ça par un Uttermal contre Dastan. Oui, bah, ça va être un giga Shrek. Juste, j'ai pas vu. Alfred, il est contre qui? Parce qu'en vrai c'est le meilleur. C'est le premier. C'est le premier. C'est contre. Enfin, je sais que. Non, c'est... il joue en combien? On sait pas. Non, pour moi il joue en troisième, mais ça se trouve il joue Red, tu vois. Et genre Dastan, ça a été le représentant WESG pour l'Amérique latine. Waouh. En dehors de motherfucking comment il s'appelle le Brésilien? Quel Azur. En dehors de Quel Azur, c'était le représentant de l'Amérique latine au WESG. Donc c'est entre guillemets un des meilleurs joueurs d'Amérique du Sud. Est-ce que du coup on peut pas réussir à battre Red en ZVZ? Qui match-up un peu tricky potentiellement, voilà. Je pense pas, mais ça serait quand même cool qu'il se fasse éliminer. Il faut qu'il tombe sur Red et ça se trouve juste en face on va mieux drafter. Non, mais là c'est Allemagne Chili. Ah oui, Red il arrive après. He's okay. Par contre, il faut que tu me touches, je te pète le bras. Excellent. On est vraiment sur une bonne ambiance quand même. En fait, c'est parfait, tu sais, dans l'erreur et il trouve le truc. Agro pour partir en autre chose, tu sais. C'est ça. C'est incroyable. Allez, tandis qu'on a bien sûr des assets extrêmement fluides, 6800 contre 5500. Ça pourrait être Chili qui vote dans le chat anglais. Ça pourrait être TKL contre Lambo. Ça serait. Oh non, je suis moins fort que ça. Mais... Ouais, mais il n'y a plus de différence à ce niveau-là. Ouais, clairement. Là, c'est déjà trop d'écart de level pour que ça ait un impact réel. Mm-hmm. Et derrière, ce sera Alfbrid, Hero Marine et El Seba contre Showtime. Alfbrid, il joue quelle race? Comment? Oh, Zerg, Alfred. Ça va pas bien se passer face à Yorma. Non. Peut-être moyen même qu'il meure sur un 2-1-1, tu vois. Peut-être moyen qu'il meure sur un Dorak surtout. Ouais, mais bon, je sais pas si ça sera le style des Romarine, mais on verra. Bah, en vrai, ce genre d'équipe, c'est le moment où tu freestyle et tu fais un showmatch, tu vois. C'est. À ta guise, tu vois. Ouais, t'sais, tu fais pas un opening BC pour humilier le mec en lui tuant 55 drones en opening de match, tu vois. Tu peux, hein, le mec il a le temps de voir sa défense aux enfers. Mais hein. Coca, il est sale. Ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux ici en bas à droite pour la team Chili? Il s'agit de Dastan. Qui sauf de ma part, cette année n'est pas à la BlizzCon. Je crois bien, effectivement, qu'il n'est pas à la BlizzCon. Mais c'est déjà ultra stack en termes de niveau cette année.
Ça va être sexy, ça va être hyper stylé. Et ça arrive dans pas si longtemps que ça, hein, l'Opening Week. Hein, je crois que c'est dans du coup 3 semaines, voire 2. Mm-hmm. Vu que la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, ouais. Non, la semaine prochaine, on fait le GSL Super Tournament. Ah oui, bah c'est dans 2 semaines alors. Voilà. Donc sachez-le, j'ai spoilé, mais il fallait bien que vous sachiez, hein, au bout d'un moment, quand est-ce que vous allez pouvoir rattraper cette compétition sur les ondes françaises. Mais est-ce que tu as spoilé du score? Du résultat. Un petit peu, ouais. Je connais des mecs qui sont allés loin dans le tournoi. Ouais, parce que moi, il y a un mec qui a débarqué sur mon chat l'autre jour et qui a fait « Et du coup, tu penses quoi de la victoire d'Antel hein, Et j'étais « Dude Sérieusement Really ?» Surtout, c'était pas genre une semaine après le tournoi, c'est genre 48 heures plus tard, genre « Mate !» T'es pas au courant qu'on a du délai. Aïe, aïe, aïe. 9 ans plus tard, les gens font encore ce genre de choses. Tandis que Coca fait des gestes obscènes, bien évidemment. Cet individu est fort peu recommandable. Heureusement qu'on l'aime beaucoup. Non. Yeah. Ok. On est sur un truc très standard des deux côtés. Dastan qui ne va pas entre guillemets vivre sa meilleure vie de 5k5 NA Protoss en posant des proxys. Il pose tout chez lui pour l'instant. Maintenant, ça veut pas dire qu'il y a pas une arnaque qui arrive. On pourrait voir un Goblin build, on pourrait voir du Roti build. C'est des builds un peu du Gwak qui peuvent faire des choses. Ce qui sera décevant à mes yeux, c'est qu'on fasse soit un classic build, soit un drop DT. Parce que dans les deux cas, c'est les giga standards sur lesquels tu vas forcément perdre. Moi, ce que je kifferais de la part de Dastan, c'est voir un petit build assez agressif comme l'a fait Drogo sur World of Sleeper face à Arena, où tu sais, il y a le Warp Gate qui arrive pendant ta première fight parce que t'as déjà warpé à la maison et tu pars avec tes petites papates et tu commences à essayer de péter la gueule de l'adversaire. Je trouve que ça peut être super fort comme timing si c'est mal lu. Bah, et surtout, ouais, alors si c'est mal lu, ça peut carrément buter, notamment si tu fais comme Drogo avec un prisme et un Nimo, enfin en early game, c'est con, hein, mais ça fait des miracles. Les queens, elles ont pas beaucoup d'énergie, y a pas beaucoup d'unités. Et surtout, en fait, même si tu tues pas ou si tu tues pas grand chose, tu forces beaucoup d'unités et du coup, tu coupes, enfin, tu mets un coup de pied dans la fourmilière qui est la production de larves du joueur Zerg, en fait. C'est un match genre là, t'étais en train de faire tes petits drones, tu vois, tranquillement, en backstage. Et je dis, non, tu vas mettre des unités au devant de la scène parce que sinon tu meurs. Également merci à Liwos qui s'abonnait pendant l'interview. Merci pour tes 20 mois d'abonnement, mon bro. Merci. Le speedover qui va pas tarder à se terminer, qui va permettre à Lambo de prendre toute l'info et ça part sur un drop DT cette histoire. À la rigueur drop, par contre, son consacré plus que là, t'as aimé bizarrement. Ou alors, meilleur des mondes, c'est un Marjorie build. Et c'est quoi le C'est un chargeur de factory avec deux IMO. Oh, ça j'avoue, je suis preneur. Hein. C'est comme ça que la Corée a perdu une game contre je ne sais plus quelle équipe. La Croatie. Non, je sais plus. Bref, il y a Sou qui s'est pris un giga Marjorie build et qui a explosé en plein vol. En fait. Genre qui avait fait 55 drones et il se dit attends, mais c'est un all-in en face. Mais merde. Nandato. Alors on est en train de faire sa charge avec du coup un premier immortel qui va terminer. Est-ce que tu en relances un ou est-ce que tu fais ton petit prix voilà. Le deuxième IMO Marjorie Build. Et du coup, hein, pour ceux qui se posent la question, mais pourquoi Marjorie? Parce que c'est le nom du joueur qui l'a un peu popularisé, un peu à l'instar du Max Pack Build. Hein. C'est juste le nom du joueur à la base. Et du coup, c'est un truc qui est effectivement ultra vénère, mais surtout qui se tient pour le joueur Zerg en ayant un compte très précis de drone. C'est genre, en vrai, tu peux pas aller au-dessus de 45. Si tu vas au-dessus de 45, t'as juste moins de thunes, moins de larves, moins d'unités. Donc, tu dois la bien injecter en permanence, bien produire des unités de combat, dès que possible des roaches et dès que possible du coup le speed roach également. Ouais, là en vrai je suis un petit peu circonspect du fait que Lambo ne renvoie pas son overlord alors qu'il a speed over. Alors certes il y a un tracker, mais ça va, t'as quand même pas mal de points de vie, c'est pas fait en papier mâché, tu pourrais sacrifier ton over et au moins confirmer la pose de gateway. Oh t'inquiète, il est 100% au courant, là il fait que des over des roaches, il s'est arrêté à 43 drones là, et il voit les gaz qui manquent. Là Lambo il a pas besoin de renvoyer son over parce qu'il sait déjà, tu vois. Genre la seule surprise que pourrait y avoir c'est il y a une random Dark Shrine qui est posée parce qu'en fait il a continué à miner sur ses gaz et il peut y avoir du DT, mais en fait t'es déjà T2 quoi qu'il arrive, donc tu pourras faire un vigilant. Genre c'est pas non plus un énorme risque. Là très bien fait, hein, de la part de Dastan qui laisse un Zealot derrière lui, qui va warper une adepte également pour soutenir sa défense, mais qui doit faire attention, hein, à pas désynchroniser non plus complètement ses gates pour avoir vraiment les gros cycles massifs dont on va avoir besoin pour passer au travers de la défense qui est déjà complètement prête du côté de chez Lambo. Allez c'est parti, on warp 6 Zealot, la charge va se terminer, c'est vu du coup par ce dominant. Ici des petits Zerglings qui vont bait la charge de 3 des 6 îlots sur le terrain de jeu. Et là voilà, il y a déjà le comité d'accueil, la petite banderole, les petits confettis. Genre, eh bien mec, on vous attendait, bien sûr. Essayez-vous ici, prenez une petite coupe de champagne sur la gauche.
Et surtout, prenez vos clics et vos claques et rentrez chez vous. Ouais, et c'est bait, donc c'est le fait de provoquer la charge des zélotes de manière un peu agressive comme ça, sans perdre de zerglings, c'est tellement important parce qu'en fait, ça retire instantanément 8 de dégâts, 8 de DPS par l'armée Protoss sur l'armée Zerg. Donc en fait, t'es automatiquement gagnant à bait ce truc-là avant les fights, et du coup, notamment avant qu'il y ait vraiment une masse critique. Et là, il est en train de se fighter avec des random zerglings plutôt qu'à dans la base. Là, les ravageurs et les queens qui pourraient également se retrouver à sniper le prisme. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, on a sauvé 3 des 4 zélotes qui avaient été amenés. Mais là, il faut monter il rentre chez lui là ? Non, okay. Non, en fait il a été supply block pendant 30 secondes, il a payé 2 pylônes d'un coup, mais le 76 sur 76, mon gars, il a été imprimé au fer rouge sur la peau de Dastan, et ici ça rentre parce que du coup le zilote a dû se faire la balle. Ici ça rentre, il y a quand même beaucoup de zilotes qui arrivent au contact, il va falloir commencer à kiter, les Imos sont en train de taper la hatch, ouais. Et du coup c'est vraiment beaucoup de DPS perdus. Ouais, surtout quand on est en train de ici perdre beaucoup de proies, on pourra se retrouver très rapidement à devoir quitter la game du côté de chez Dastan, qui n'a désormais plus que 2 immortels, un stalker et une adepte. Ici c'est en train de se compliquer dramatiquement pour le joueur chilien qui a fait un bel effort. Mais ce supply block et ce run by dans ses propres devraient être les clous dans le cercueil et bien du joueur d'Amérique du Sud. Ouais, ici on donne tout avec encore ces deux immons, on va balancer le petit warpin ici, mais on va devoir s'en aller. C'est qu'une seule bille, du coup c'est dommage d'avoir cancel. Ouais. Mais bon. Mais là tous les protoss de la planète sont traumatisés par les games de Rien Orière. Bah ouais, genre maintenant on voit un ravageur, on se dit oh. S'il y en a un, il y en a peut-être 3, courez. C'est ça. Il y en a peut-être 3 qui sont cachés dans le Dead Space là. Mais c'est pas possible, peut-être que si. Tu sais pas ça. Ils sont peut-être dans un over de drop. En vrai ça serait le sickest play. Ouais, clairement. Attention, ici cette queen qui va prendre tarif, mais ici ça rentre. Coucou. Voilà, on a vu qu'il y avait de la lumière et tout. Il a tellement d'armée, Lambeau, quoi. 90 de valeur d'armée. Bah, non, mais en même temps, il a fait vraiment la réaction parfaite, défense parfaite. 43 drones et je stack des unités. Et... on lui met un 10 voilà, sur 10. Hein. Ah, oui, bah là, c'est défense du Marjorie Bill sur 10. Hein. On est vraiment dans l'idéal. GG, Lambeau qui éclate son adversaire au liner, le pauvre joueur chilien qui n'a pas eu beaucoup de choix, beaucoup d'opportunités dans cette partie. Bah, il est venu, il a vu et... et il s'est fait défoncer le cul. Ouais, il en a pris plein le cul, parce que j'allais faire un petit peu la même. Bref... Ouais, bah, j'ai bien compris que tu faisais un petit peu la même que moi tout le temps. Finalement, je suis une source d'inspiration pour toi. Tu peux me signer un autographe de et ouf, après, car... je te le fais bouffer. Yes. Bah, ça serait fun, en vrai. Ok. À 2000 subs, on y pense. Allez. En tout cas, bon bah, c'était, je pense, le meilleur build order que pouvait offrir le joueur chilien comparé l'écart de niveau astronomique. Ouais, mais... même comparé à l'écart de niveau astronomique, en vrai, une des raisons pour lesquelles son build ne passe pas, au-delà du fait que la défense était parfaite et que du coup ça avait très peu de chances de passer, c'est le massive supply block. Et ça, c'est sa propre erreur qui est provoquée par lui-même en fait. Mm-hmm. C'est... là, Dastan, il a plus joué contre lui-même que contre Lambeau. Et Lambeau, derrière, il a fait mais pourquoi tu te frappes tout seul en fait. Et il l'a mis dans une camisole de force et l'a enfermé quoi. Donc, donc on verra si ses petits camarades arrivent à faire mieux. Maintenant, ils vont être contre des joueurs qui sont encore plus dangereux. Genre Lambeau, c'est. Il est genre incroyablement fort et c'est peut-être le joueur allemand le moins fort. Mais oui, c'est ça qui est le pire. Et du coup, genre même si t'envoies des Chiliens qui sont plus forts derrière, ils vont se retrouver face à des monstres absolus. Genre le deuxième meilleur joueur Terran Foreigner, pour ne pas dire le premier, entre Hero Marine et Spécial, il y a des petits débats. Genre ouais. Si tu demandes à Rotterdam il dit que Big Gabe est meilleur, je crois. Ouais, bah, je pense que je suis d'accord avec ça quoi. Moi, Big Gabe, réellement à la BlizzCon, j'attends beaucoup de Hero Marine moi. Ok, ok, ok. Et, je le mettrai haut en termes de. Le ranking, je pense. Et ben, on n'hésitera pas à s'en rappeler et à te call out sur ce pronostic, mon petit Anton. Yes. Et de l'autre côté, t'as également Showtime, macro god absolu. En fait, c'est juste la représentation occidentale de Dieu sur Terre, tu vois. C'est le White Jesus pour les protos, tu vois. Rien que ça. C'est White Jesus, tu vois. Quelque part en Corée, il y a Korean Jesus. Là, c'est White Jesus. S'il achetait. German Jesus. S'il écrivait un livre, genre comment jouer Protoss en 30 leçons. En fait, je l'achèterais en 3 exemplaires, tu vois. Et tu le ferais parce qu'en fait, j'aurais le premier et genre, je pleurerais de bonheur, donc ça serait illisible. Tu en garderais un sous blister pour le revendre. Après. Exactement. Ah, collectionniste. Voilà, bien sûr. Et on fait dédicacer les 3 quoi qu'il arrive, voilà. Évidemment. On peut le revendre 3 fois son prix. Bah oui, c'est important. C'est beau le marché de l'occasion. Ouais. Ouais. Ah bon. Les consoles rétro en ce moment qui prennent. Je regarde ça sur YouTube. Mais même pour les comics aussi, hein, tu regardes les singles, les singles c'est les chapitres sortis du coup qui sortent chaque semaine ou chaque mois. Okay. Donc les singles originaux de grandes séries telles Watchmen et compagnie, ça va très 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 loin. Est-ce qu'on a un petit visuel pour le match d'après en régie Un versus quelque chose. Coming soon, coming très bien. Coming soon to your local theater. Le versus de la prochaine fight, donc a priori Big Gabe, je crois, contre Halfbreed. Non, Chilien par contre. C'était pas la bonne nationalité ça. Ouais. Ouais, c'est. Ouais, ouais.
Bah écoute, voilà. Bah, vous êtes tous les deux des gros racistes. Voilà. En régie, voilà, il faut le savoir. Hashtag ban la régie de gaming. Hashtag not my régie en fait. Ah ouais, ouais, hashtag balance ta régie. Balance ta régie. Mais pas trop loin quand même, ça coûte hyper cher. Ouais, non, mais en fait, ce qui coûte cher, c'est le matos. Eux, techniquement, si on les vire, ils coûtent plus rien, tu vois. Ouais. C'est, on perd pas de l'argent, tu vois. Ouais, bah, moi je m'y connais bien en termes de. De renvoi. En termes de renvoi, moi je suis rodé. Je peux les guider au Pôle emploi local. Je vous fais un petit tuto, bien évidemment. C'est ça. Tranquillement. Ouais, ici c'est un pôle emploi bio et tout. Il a été élevé en plein air. Voilà, tranquillement. Il y a des demandeurs d'emploi qui ont vu de la verdure, qui ont couru un peu. Vous avez pu lire dans les livres qu'il fallait traverser la route et trouver un emploi, mais non. Pas ça, du c'est tout. C'est pas aussi simple que c'est ça. C'est ici que ça se passe. Tu vas voir Christine à l'accueil, elle va tout te montrer. Du coup, je pense aussi en faire un livre et j'espère qu'ils le prendront en 3 exemplaires parce que sinon, en fait, ça va pas être rentable du tout. Ouais, c'est ça ton projet avec Pôle emploi, c'est écrire des livres. C'est acheter, créer des livres et essayer de les vendre. Et les éditer. Et les éditer, j'aimerais bien. Du coup, ça va être sympa de passer de StarCraft 2 à une industrie qui meurt pour de vrai, l'industrie du papier. Dans 20 ans, il n'y en a plus, c'est ça que tu es en train de me dire. Un peu, ouais. Enfin, en tous les cas, c'est la tendance vers laquelle ça va. J'espère pas, parce que j'adore ça. Hein. Vous n'avez pas dans le chat si vous êtes un grand fan de livres, etc. Moi aussi, et de papier. Hein. J'adore le papier. J'en mange régulièrement. Il y a 4, j'en ai consommé beaucoup durant ma jeunesse. Donc, ouais, exactement. Format 3, format 1, elles sont toutes passées. Et puis avec un peu de sauce au poivre, c'est délicieux. Ok, est-ce qu'on a un versus, s'il vous plaît? Ok. On attend du coup toujours le joueur chilien. Bien évidemment. Bien évidemment. T'es qu'on prend quelque chose, toi, ta gueule. Bien sûr, les références à What the Cut. Alors que du coup, on part en pub apparemment pour pouvoir temporiser l'arrivée du joueur chilien. Relou, mais des choses qui arrivent, c'est les aléas du direct. Ne nous quittez surtout pas, vous êtes sur les Nation Wars 2019. C'est la 8ème journée, bien évidemment. A tout de suite. A tout de suite. Data text, data screen username. Merci pour cette intro, Cosby. Bien évidemment, t'es viré. On va de oula. Bon, j'imagine voilà. Que ça n'a pas marché. Non, mais voilà, Cosby qui confond les nationalités d'Amérique du Sud, qui envoie pas les bons assets. Voilà. Non mais, des erreurs ont été commises. Mais elles ne seront pas pardonnées. Attention le versus du coup. Le joueur qui est finalement arrivé, c'est Avril qui s'est fait attendre. Felipe Zenyuga. The new guy. In the place, en tous les cas, 29 ans. Zerg, il a déjà été sélectionné. Non, c'est sa première sélection. Bah non, il a déjà été sélectionné au Nation Wars, donc ce chiffre est nécessairement faux. Puisque du coup, c'est forcément au moins sa deuxième sélection. S'il a déjà un ratio, quoi. Ouais. Donc, voilà. Des erreurs ont été commises. Des erreurs ont été commises, mais elles ne seront pas pardonnées. Eh oui, au bûcher. Non, on fait plus ça. Abonnez-vous pour qu'on renvoie Cosby, hein, bien évidemment. On part une game directement, du coup, ça va être un massacre. Juste un massacre. Ouais, en bas à droite, le boucher de Disco Bloodbath. Il s'agit de Romarine, bien évidemment. Ouais, alors que directement en haut, à gauche, en zergue rouge, représentant la nation chilienne, il va s'agir de Half. Breed. Ok. Alors, qu'est-ce que tu nous fais, mon bon Alf, si je peux t'appeler comme ça. Petite Hatch en proms. Alf pour Alien Lifeform, bien évidemment. La série Alf. Sitcom américaine avec un espèce de Muppet complètement dégueulasse. Ah oui, sans le H, oui. Ouais. Oui, Non, bah Alf et du coup pas Half. Pas Half. You know, le H aspiré. Effectivement. Il adore se faire aspirer le H. Mm-hmm. Le H. Yes. Le H. Le H. Le Heben. Le Heben. Ok, petite poule de balancer. Oui, c'est vrai. Ça va faire un petit Reaper Inno Expand. Mm-hmm. Du côté de chez Romarine, tranquillement. Absolument, petit Reaper Expand histoire de prendre de l'information et s'assurer qu'on ne se fait pas arnaquer, hein, tout simplement par un Halfbreed qui a toutes les raisons du monde de tenter toutes les arnaques du monde en fait. Et du coup, bah, ce petit Reaper qui va donner le map control en early game et tu vas aussi avoir l'occasion de tester. Genre, bon, t'es probablement pas très fort, mais à quel point t'es pas très fort? Est-ce que je te tue plus de un drone avec mon Reaper? Sachant que en 2019 t'es déjà pas censé perdre un drone. Bah pas à ce niveau de jeu là, quoi. Non. Je veux dire sur mon ladder, bon voilà, he's ok. Mais là, on est quand même en match de Nation War. Donc on va pouvoir effectivement tester la dureté de Halfbreed. Ou aussi il va mourir. Enfin pas commencer en tout cas à prendre cher sur cet opening faucheur. Oh, ça va, je sens les BC arriver mais gros comme une maison quoi. Genre je vois ce deuxième gaz
Donc, qui est pas spécialement rapide, tu vois. Mais... ouais, c'est le gaz normal, mais effectivement, après là, on a un embranchement où Romarin il peut faire un petit peu ce qu'il veut. Hein. Ah bah, dès, donc, dès que le, la factory. Il y a que besoin de la factory pendant une fusion, on est d'accord? Est-ce qu'il faut pas. Oui, oui, alors, je crois. T'as besoin du space support? Je crois pas. Je crois pas. Donc normalement tu peux être bon. Tranquille. Après généralement tu fais toujours le spatioport avant puisque tu veux le bâtiment qui va créer le labtech. Et il vaut mieux avoir ton spatioport déterminé pour si jamais il y a 8 roaches qui se ramènent, il vaut mieux pouvoir produire un libérateur que d'avoir fait un noyau de fusion et d'avoir juste une factory une Rax. Donc évidemment le spatioport qui est bel et bien embrayé, on va produire les petits hélions. Ouais. Alors ça pourrait encore être du timing Elbat qui pourrait tuer de manière très brutale aussi et qui est très standard. C'est juste ça a moins le potentiel de tuer qu'un go BC, même si le go BC ne tue pas les très bons joueurs Zergal à l'heure actuelle. Mm-hmm. Mais du coup ça pourrait tout à fait être le choix de Hero Marine, ne serait-ce que pour apporter de la diversité. Ok, ce faucheur qui a 6 points de vie qui va aller récupérer le reste en se mettant un petit peu à l'écart. Le speedover qui est terminé, du coup on va prendre l'information avec ce dominant et on va faire un petit viking, mais le starport est sur un labtech. Ouais. Peut-être que ça sera juste pour une banshee cloak. Alors on n'a pas encore le labtech du coup sur le spatioport et on lance le steam très rapidement du côté de chez Romarine. Maintenant gardez à l'esprit que ça peut complètement être du mind game hein, ici ce steam. On a tout à fait le potentiel de switcher un moment ou un autre, mais là c'est vrai que ça commence à faire un steam qui est du coup laissé en production pendant très longtemps. Et que ça laisse penser pour l'instant qu'on va effectivement jouer bio à terme du côté du joueur allemand Big Gabe. Ouais, non, qui pour le moment fait sa petite popote. Je pense que c'est son opening de tous les TVZ qu'il fait. Hein. Donc je pense qu'il a juste envie de se faire plaisir. Et ici c'est quand même moche de perdre un dominant qui a le speedover en 2019. Donc on va mettre, ça va mettre le joueur chilien du coup sur Playblock. C'est ça. Il a fait 3 d'un coup. Ouais. C'est un peu terrible hein, parce que le moment où en fait t'es face à un joueur Terran qui oui peut mettre la pression avec des lions, mais c'est jamais trop censé te tuer si tu défends bien, et du coup si tu scoutes bien tu vois qu'il a un 3ème CC et donc c'est le moment où tu dois absolument faire un maximum de drones, bah tu peux pas parce que t'es supply block. Ouais, bah là il en a perdu un deuxième hein, il était à 66 sur 66. Bah va falloir arrêter tout de suite ses affaires hein, donc ça stresse côté chilien pour faire des erreurs comme ça. Ça essaie de bien faire, mais pour le moment ça reste quand même 2 erreurs. Et s'il perd le 3ème, honnêtement, je vais manger mon chapeau quoi. Non, ça, la queen, quoique, il pourrait aller le chercher, hein, mais voilà, il va pas le tenter. Ah, il va faire les safe calls dans cette game. Hein. C'est pareil, hein, ça serait le meilleur moyen pour Hero Marine de perdre contre un joueur qui est pas censé perdre, c'est de faire des calls tout naze. Et en plus, c'est même juste pas sa mentalité quoi. Même quand il fait des meme builds, le bon Big Gabe, ça reste des trucs relativement macro standard safe. Hein, ouais. Ah, il fait des petites séries sur son stream, genre je fais juste Marine Marauder Medivac jusqu'au Top Master. Et t'es en mode genre, mais non, mais c'est pas possible. Bien sûr que si, c'est possible. Et en fait, si ça marche. C'est. En fait, quand t'es meilleur mécaniquement tes adversaires, en vrai, tu peux faire n'importe quel compo. Si mécaniquement t'es meilleur, StarCraft ça va te récompenser. C'est avant tout un jeu mécanique. Hein. Oui, oui. Genre, les gens, on aime bien se dire jeu de stratégie. Et c'est vrai qu'il y a des éléments de stratégie. Mais c'est avant tout un jeu de mecs avec beaucoup d'APM. Ouais, avec des mecs qui loupent pas des cycles, qui ont leur petite routine ou regarder sur l'écran. Donc, qui sont réactifs et attentifs. C'est ça. Et pour le moment, Romarin, je pense qu'il est en train de. LOL. Oh, M. D. R. Pas comme ça. La seule chose qui tue des queens, c'est les autres queens. C'est les autres queens. Non, mais en plus, et il on a... est pas en cette vaisselle. C'est ça. Et il a cliqué sur ses queens à ce moment-là, mais genre il a pas sélectionné la bonne pour stopper l'attaque. Quoi. C'est absolument terrible. En vrai, mental broken. Ouais, ça ressemble à ça. Et là, Romarin, il va s'offrir son petit timing 1-1 combat shield. Il a déjà le steam, souvenez-vous. Je pense que là, dès que c'est fini ces upgrades, tu désièges et tu steam à clic. Et surtout face à un joueur qui est tout juste en train de terminer ses deux chambres d'évolution à 6-30 en fait. Et là ça part. Ça part et ça tue en fait. Les deux premiers medivac vont arriver, le timing est léché parce que c'est Romarin et que Romarin pour arriver du coup à l'opening wing de BlizzCon, c'est pas un peintre et du coup ils vont très vite le faire savoir à Ashbreed. Mais mec, genre c'est terrible parce que hier on a vu des joueurs qui cherchaient des défenses contre Terran au match Italie. Je crois que c'était Italie contre la France et on voyait des joueurs Zerg qui se disaient, c'était les Norvégiens non en fait, qui se sont fait ok du coup comment je défends avec maximum de creep, je le vois arriver de loin, je défends, on est bien.
Mais là, on est sur un format où il a pas l'économie qu'il est censé avoir, il a pas les upgrades qu'il est censé avoir et il a pas le creep qu'il est censé avoir. Donc en fait, il a aucun élément qui lui permet réellement de défendre ici. Hein. Il est juste en train de se faire giga éclater. Hein. Donc là, cette base, elle va être cancel. Et d'ailleurs, n'a pas été cancel. Du coup, on a perdu les 400. Il y a tellement peu de bane que Hero Marine, s'il veut, il pourrait jouer en mode Lucky Luke à les cliquer et à les one-tap quoi. Il a pris toutes les queens parce qu'il les a pas reculées. Du coup, oh, c'est catastrophique. Oh, ça compte de perte. C'est un Marine. C'est même pas le Reaper parce qu'un Reaper ça aurait été 100. Il a pas perdu 100 Reaper, il a perdu un Marine, il a tué une base et 4 Queens. Même pas une Cayenne. Même pas une Cayenne là. Alfred, de manière là il a rien pour lui aujourd'hui. Hein. Il a failli arriver en retard pour son match. Et d'ailleurs, il est arrivé en retard pour son match. Ouais. Et il arrive pas à tuer des unités. Là, il a tué en tout et pour tout 2 Marines et un Reaper dans cette partie. Il doit être archi content de sa game et de sa performance. Romarine, en tous les cas, qui est en train de sécuriser sa game avec un 4ème command center. Attention, ce volet est ouvert quand même. On pourrait finir par être forcé. De cancel ce bâtiment, mais non pas du tout. Les 3 mines sur les VCS, ok. Et ben c'est bien split. Okay, on a perd pas quand même le CC. Ouais, on l'a pas cancel effectivement, mais ici tous les cocons de Bane par contre vont se faire avoir. Ici on va se rapatrier dans sa B2 et on va pouvoir gérer à terme. Hein. Mais ici, du coup, cette 4ème base, 2ème édition, on va se faire cancel. Est-ce que cette fois, ok, ça, on va récupérer les ressources investies, en tout cas 70%, ouais. Et on continue à progresser. On va mettre les deux tanks derrière le caillou. Ouais, et puis après, avec cette B4 qui a été détruite du côté de chez Hero Marine, en vrai, il a quand même besoin de faire du dégât supplémentaire. Il va le trouver assez sereinement. Mais il avait besoin de le faire, ce dégât, les unités qui n'étaient pas forcément en place. Et on va tenter un flanking par le sud. On espère bien sûr que notre observateur Crow va être dessus au bon moment, au bon endroit. J'ai l'impression que la réponse est un oui franc et massif. Puisque là, on est déjà en train de splitter du côté de chez Hero Marine, qui va parfaitement gérer les bains de son adversaire, tout absorbé comme une éponge, hein, finalement. Ouais, c'est ça. Après SpongeBob SquarePants, eh bien on a Big Gabe. Sponge Gabe, les renforts qui arrivent ici. On n'a pas balancé d'upgrade, hein, alors que le 2-2 est bien entamé pour le 2 d'attaque, mais pas pour le 2 de défense. Ici il n'y a pas de creep, on va perdre des Zerglings. Cette 4ème base, 3ème édition, qui va se faire aussi taper le bout du nez, comme dit quelqu'un ici. Et là on progresse sereinement, doucement. Il y a quelques Hydra, mais ils sont hors de portée. On a même reculé les deux Medivac en bas à droite de votre écran. C'est ultra bien fait. Ici, ça tape dans la mine. Et ici, on va directement dans la B2. Et au pire, on va remonter dans la B1. Et dans le pire du pire, on a les Medivac pour s'en aller. Ouais. Et attention ici, les unités qui sont en train d'être redroppées. Queen qui a tapé. Non, mais attends, reste pas à portée. Petite Queen, prends soin de toi. C'est ça. Pense à ta famille. Arrête de te survoler. On t'a dit de prendre tes pilules. Attention, ici, on remonte. On prend la poule. Prends la poule, tu verras, tu seras plus cool. C'est un petit peu ce que c'est dit au Marine, et effectivement il est très cool dans cette game puisque on ne peut plus faire de Zergling. Alors on va avoir une troupée de Zergling qui va arriver, mais du coup si on peut plus faire de Zergling, on peut pas faire de nouveau Bane. Si on peut pas faire de nouveau Bane, on peut pas gagner la partie, on peut pas survivre en fait, parce que c'est ce qui se passe depuis les 5 dernières minutes, hein. Il est en train de survivre. Ouais, il est en train de se faire asphyxié, hein, le pauvre Albreed ici. Il y a quand même énormément d'Hydralisk, hein, qui sont en train de se faire plaisir. Oh là, mais les mines, non mais what the fuck, là c'est des minages en double. Ouais, bah là, il y aura quand même celle-là qui était fidèle à la patrie, mais bon, enfin, c'est des Hydra sans le speed, sans la portée, donc ils peuvent pas partir à la contre-attaque non plus. Bien sûr, des Marines solo ne peuvent pas gagner par eux-mêmes, mais on s'amuse, hein, du côté de chez Hero Marine. On est juste en train de jouer avec la nourriture, à mon avis. BK, 71 drones, faudrait quand même pas trop tarder à balancer sans plus trop d'attaque pour Hero Marine. Mais je suis d'ailleurs surpris qu'il ait fait des mines et pas des tanks, vu que le caillou n'a pas été cassé sur cette B3. T'as envie d'avoir 5 tanks juste derrière et t'es en mode genre, vas-y mon con, approche-toi. Mon opinion, c'est qu'il a envie de s'amuser, tu vois. Il va dropper des mines face bureau dans les lignes de mine rêve, il va y avoir des drones qui vont exploser et là il va mental broquer de son adversaire. En vrai, il y a un peu un espèce de vieux cliché allemand nul de sadique, hein, avec Big Game, hein, c'est un peu. Ouais, je suis assez d'accord. I can make you suffer, yeah. Non, s'il te plaît, et tout. I'm gonna make you suffer, yeah. Please, yeah, be nice, Gabe. I'm a kind of suffering for you. Allez, donc les squads à droite, vous voyez qu'il y a aussi une escouade jaune à gauche. Ici, tu targetes les Bane. Ok, on va juste s'en aller. Mais ouais, ça envoie quand même un message très fort de pourquoi tu restes. Pourquoi t'es encore dans ma game. Non, mais ouais, vous voyez les pertes en bas à droite, hein, quasiment 12 000 à 7 400. C'est ultra violent. On rajoute deux starports et un noyau de fusion. Non, mais tu sais, il veut pas finir, quoi. Genre, à tout moment, il prend une faille correcte, la game il la termine, tu vois. Ouais. Alors ça peut être aussi le potentiel de throw, surtout au moment où t'as ton 3-3 et toutes tes structures de lancer. Mais regarde, là ça s'est passé, là tu F2 à clic en fait. Mm-hmm. Tu viens de tuer 12 Hydra. F2 à clic de l'autre côté de la map, j'en supplie, quoi. Ouais, t'es bien là, t'es pas obligé de. Hop là. Là c'est vraiment le stop, he's already dead, même. faut arrêter maintenant, faut arrêter d'être vilain, Big Game. Oh, c'est regarde ça, c'est genre là, il.
Il a déjà fait joujou avec son petit jouet dans son Happy Meal là, mais il en veut plus. Il veut plus de fun, donc il commence à jouer avec la nourriture. Bah là, c'est un peu le gamin chelou que tu trouves dans la cour des immeubles de près de chez toi et qui est en train d'arracher les ailes d'une mouche. Il fait ah bah il y a aucune chance qu'il tourne mal ce gamin. C'est... Yes. Mais tout va bien. Et 15 ans plus tard, c'est Big Game. Wow. Attention, d'ici on a perdu un Medivac, un deuxième. Petit smiley, mais il y en a un qui va tirer la gueule tout de suite et c'est le joueur Zerg, les mines qui sont en train d'arriver au contact. Cette fight est un petit peu brutale pour le joueur chilien. Ouais, parce que là on l'a vraiment prise à la zob hein, du côté des Shiro Mines. Ouais, bah une concave et je vais voir si j'ai besoin d'enterrer mes mines. Ah, j'ai besoin d'enterrer mes mines, allez. Mais on y est vraiment allé sereinement hein, du côté de Shiro Mines. Ouais. Pas du tout inquiété, pas du tout inquiet tout court vis-à-vis de son adversaire et du coup. Largement vainqueur dès la minute 6. Clairement. Et le problème, c'est que on risque d'avoir le même séquence pour la troisième game. Mmh. Parce que, vous avez vu sur les fiches versus, c'est quand même un écart de MMR assez énorme. On a su pour Dastan Alfbrin, on connaissait pas son MMR. Ouais. Mais bon, on peut supposer que t'es pas proche de celui d'Hiromarine. On va espérer que El Seba, qui est du coup le prochain joueur chilien, réussir au moins à faire bonne figure. Ouais. Parce qu'en vrai, on n'espère pas de game gagnée pour les Chiliens à l'heure actuelle. Hein. Il faut juste faire une game où tu ne fais pas intégralement stomp. Et peut-être que Showtime, un peu respectueux, Macro God, va laisser une chance à son adversaire de s'exprimer. Non, je pense plutôt que Showtime, il jouera pas avec la nourriture en fait. Genre, il va faire. T'es sur ma route et soudainement tu ne l'es plus. Ouais, et ça s'arrête là. Mais genre, double drop DT. Ouais, c'est double drop DT, out micro, qu'est-ce que tu fais, au revoir. Je pense que c'est plus le style. Alors qu'on a rien un petit peu plus tiki-tiki. Et puis en fait, en vrai, ça reste respectueux. C'est genre, je vais me faire travailler pour te battre parce que je vais faire un truc difficile. Genre, oui, en vrai, c'est un peu ok, tu vois. Oui, il lui a pas lâché de Manormu, il lui a pas fait de soleil. Il a pas slash dance en même temps, quoi. C'est pas faire des random drops de bureau, de face bureau mine dans une ligne de minerai Zerg. Tu vois, genre, c'est quand même un truc qui te fait avancer vers la victoire, vu que ça tape dans l'économie et compagnie. Ouais, ou alors tu pourrais dropper 16 marines et gagner à ce moment-là aussi, tu vois. Parce que tu drops 16 marines et t'as tes 80 pop qui a le 2-2 de l'autre côté de la map, tu l'éclates aussi, tu vois. Ça t'avance vers la victoire, mais il essayait pas de gagner en fait, tu vois ce que je veux dire. C'est pas sympa, tu vois. C'est juste pas sympa, tu vois. Le pauvre chilien, il a rien demandé, quoi. C'était pour première sélection en échelon noir et tout. Non, c'est sa deuxième, Alfred, du coup. Oui, c'est vrai, parce qu'il avait un ratio. Allez, petit tweet, c'est parti. Bang, 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 bang. Twitter, c'est pas mal. Mais vous savez ce qu'il y a de bien aussi? Ah, le général Drogo, bien sûr, en même par rapport à hier. C'était Srogo, on t'aime quand même. Quand même, le Srogo, il est vilain. Il a bien joué. Hein. En face, c'était Raynor, hein, c'est tout. C'est ça, pas du Srogo, quoi, en fait. C'est-à-dire que le mec il était là une fois, deux fois, trois fois en grande finale cette année. Donc. Me, real life obligation, sharing for Germany in Nation Wars 2019. Thank you, Borsti, for the tweets. My body is ready. Body is ready, also. You look for flag for 15 minutes only to rest and have the proper place to stand it. You guys, it's almost time for Nation Wars. Hey, il est chaud, Borsti. Ah ouais, mais mec, 2013-2014, c'était Year of Borsti. Hein. C'est ça que je veux. Hein. Voilà. Moult memes, moult tweets de communication, etc. Guess who's playing today? Donc, Big Game, Lambeau, Lamborghini et Dimauer, le mur. Showtime. Le petit rip. Voilà. Players so far undefeated in this tournament, Mario will be merged on this day. Voilà les all kills. Ouais. Putain, 7-0, 6-0, 5-0. Putain, les trois chinois sont dans le top. Hein. Ouais. Coïncidence? bien sûr, on salue nos seigneurs et sauveurs du Parti communiste chinois. Et du coup ici on va pouvoir bientôt aborder la suite du match qui devrait pas tarder. Et si vous aimez les tweets, c'est cool, mais vous pouvez aussi aimer les jolies photos. Et du coup le compte Instagram OGamingTV hein, qui existe, sur lequel il y a énormément de stories, sur lequel il y a énormément de photos liées aux petites choses qu'on fait. Donc vraiment n'hésitez pas, faites-vous plaisir et rejoignez la communauté sur Instagram. Vous avez pas mal de behind the door, hein, parce que du coup on vous filme, ouais, voilà, le plateau d'un autre angle, la régie, ce genre de choses. Donc si vous êtes un petit peu curieux
curieux de voir le, comment est produit du coup ce contenu, et bah n'hésitez pas, c'est gratuit. Vous pouvez voir beaucoup de stories de nous qui jouons à Smash avec Koka et Funka. C'est un truc qui se produit assez régulièrement. Notre community manager Pierre est très très fan de ce contenu, je sais pas pourquoi. Parce que genre on voit l'arrière de nos têtes, on voit un écran avec du Smash, on entend le bruit des manettes, et bon le bruit des manettes c'est un peu cool. Mais... On dirait qu'on est des gamers. Et ouais, hey, j'ai des vrais gamers. Vous avez vu notre manette de GameCube alors que c'est la Switch, mais gars, mais ouais, bah, ouais, parce que c'est la seule vraie manette, j'aime dire. Oui. Mais bon, c'est toujours dit que vous pouvez suivre le compte Instagram, vous pouvez également rejoindre la communauté des abonnés hein, de la Road to Boot, même si là on n'a plus les assets d'abonnement, on sait pas pourquoi, mais voilà, vous êtes 1913, ce serait quand même pas mal qu'on se passe à 2000. Je pense que c'est idéal, vous êtes genre 2500 ou 3000 sur le stream à l'heure actuelle. Or, je pense qu'il est l'heure de passer le cap, les bros, et d'avancer vers quelque chose d'un peu plus conséquent. Effectivement, parce qu'il n'y a pas encore de sub-goal, à vrai dire, mis en place par. On se fait un petit sub-goal perso, nous deux ? Un petit truc ? Qu'est-ce qu'on fait ? Moi j'avais dit que je me teintais les cheveux si la France arrivait en demi-finale. D'une couleur choisie par le chat. Non, c'est relou, ça va finir en rose dégueulasse. Mais c'est facile de se teindre la couleur des cheveux que t'as envie de te teindre, tu non, vois. Non, mais tu vois, on pourra faire un petit random entre des couleurs que j'aurais choisies. Et là, le chat pourra choisir. Ouais, bien sûr, on peut faire comme ça. Ouais, tu vois, genre, je préfère. Et ça. Mais genre, faut qu'il y ait au moins une ou deux couleurs bien dégueulasses dans la sélection, tu vois. God damn. Genre un jaune canari, tu vois. Pas forcément rose pétant, mais jaune canari. En mode super saiyan. Ouais, ouf. Ah ouais, moi j'aimerais bien super saiyan. Ouais, tu dis ça pour qu'on les choisisse pas, hein. C'est ça, hein. Psychologie inversée. Effectivement. Tu crois qu'on t'a pas vu venir. Ok, ça va être encore plus un massacre qu'avant en fait. 5002, 6009. Littéralement 1700 de MMR d'écart. Où est le bouton passer à l'épisode suivant là sur Netflix On a besoin de cette technologie ici sur Gaming Insider. Hein. Si vous entendez, n'hésitez surtout pas. Ça va pas être très drôle. Enfin, je lui souhaite de réussir à faire quelque chose, mais en vrai, soyons parfaitement honnêtes, ça va pas être très drôle pour El Seba. De manière, le match drôle d'aujourd'hui, c'est Allemagne-Pays-Bas. Les deux autres, c'est des matchs de chauffe. En fait, c'est des matchs de chauffe pour les deux équipes principales, tu vois. C'est hyper dur de dire ça, mais la réalité. Mais voilà, quand on est un petit peu réaliste et pragmatique, c'est effectivement ce que ça raconte en termes d'histoire, c'est le petit warm-up. Voilà. Mais c'est surtout Todd qui a quand même commencé, enfin qui a fini l'interview Chili-Allemagne en disant Big Game, tu veux pas commencer à tourner tes Pays-Bas, genre il a annoncé la couleur. C'est pas important, tu vois. Ce qui va se passer dans ce match et dans cette interview, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que t'as à dire aux Pays-Bas. Parce que c'est la rencontre. C'est deux des plus grosses équipes de sélection noire. Ouais. Et du coup, on vous castera ça. Ça sera le troisième match de cette grande soirée. Pile pour le prime time, finalement. Ouais, s'ils arrivent à l'heure. Si les gens arrivent à l'heure. Les Allemands et les Néerlandais, ça devrait aller. Et puis en vrai, maintenant que les Néerlandais sont là, enfin, ils vont rester là, tu vois. Les Chiliens. Ah oui, pardon, ah bah Chilien. Oui. Ah oui, qu'est-ce que j'ai dit, Néerlandais ? Oui, t'as dit Néerlandais. Ok, ouais. Mais t'es caté. Ça va, j'ai pas confondu de pays d'Amérique du Sud. Hein ? Hein, ah, régie. Cosby ! On vous reconnaît. Regarde-nous ! Cosby nous a regardé. Il se retourne, il fait. C'est pas des Péruviens, hein ! Mais qu'est-ce que vous dites, commande de temps ? Ok. 80-20, c'est assez révélateur. Il dab ou ouais, je pense qu'il baille en même temps qu'il dab. Habile. Multi. Du coup, 80-20, même le vote est plus équilibré que la réalité en fait. Enfin, genre en vrai, 20%, si on part du principe que c'est un peu le pourcentage de chances de gagner, genre 20%, vrai, c'est pas mal hein. Bah, considérant les cartes de MMR, c'est insane en vrai. Effectivement, il y a 1700 et t'as quand même un cinquième. C'est plutôt un bon ratio effectivement. Mais pour moi c'est plus de l'ordre de 1 centième. Après sur World of Flipper il y a peut-être le guac avec les patchs de minerais, mais ça a l'air d'être bien contré. Ouais, je suis pas sûr du tout, parce que justement en haut à droite il connaît déjà cette stratégie et il est habitué à tenir des cheese de tous les petits salopards de Zerg qui tentent de lui voler des points. Il s'agit de Dimawa, showtime. Et en bas à gauche, le joueur chilien en Zerg rouge, il s'agit bien évidemment, vous l'aurez reconnu, de El Seba, avec une icône fort rigolo sur sa hache. Oh, c'est fort. Qu'est-ce que c'est drôle, Jean-Philippe. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Eh bien moi j'ai pris des spaghettis, des petites raviolis. Ah, tu n'es pas parti à cette célèbre enseigne de fast-food en face de chez nous? Ah non, mais non, mais c'est dégueulasse. Bah ouais, mais je suis d'accord, mais il y avait apparemment 50% des gens qui partent là-bas. Ouais, mais c'est des immenses débiles.
Parce qu'on utilise Frishti pour la bouffe. Voilà. Ouais, on peut le dire. Ouais, on peut le dire. Je pense qu'on peut le dire. On va le dire. Du coup, on le dit. En vrai, c'est dans de la bouffe commandée sur une appli. C'est la meilleure bouffe que j'ai trouvée sur une appli de ma vie, en fait. Clairement. Du coup, pourquoi j'irais manger un sandwich préparé par des employés dépressifs dans une enseigne de fast-food que je dois récupérer moi-même, alors que je peux me faire livrer un plat super bon directement? Ce que tu oublies de dire, c'est que c'est le livreur qui est dépressif sur Frishti, le pauvre mec à vélo. Alors, yes. Par mont et par vent. L'ubérisation du travail, les conditions de travail des livreurs, tout un débat. Mais en attendant, je vais quand même manger mon Pokéball saumon, tu vois. Ah la vache, il a tous les drones ont été stack. Alors qu'il y avait juste une petite sonde, petit misclic, hein, par Dolceba. Et merci beaucoup, Phoenix SOS, pour les 13 mois d'abonnement. Bien évidemment, grâce à l'abonnement, vous pouvez tout simplement bloquer les pubs. Vous pouvez avoir accès aux petites émotes, accès, bien sûr. Alors, ça, c'est pour tout le monde, mais ça mange pas de pain. L'accès au VOD, bien sûr. Et surtout, ça vous donne l'occasion de vous la péter devant vos copains avec des très, très, très beaux badges qui ont été, bien sûr, produits par le grand petit Pierre. Donc, n'hésitez pas vraiment à passer le cap, et c'est en plus moins cher que gratuit grâce à Twitch Prime. Effectivement, les badges sont cool, les emotes sont cool, la TV est cool, franchement, easy. Le seul problème, c'est Coca, en fait. Ok. Bon, c'est une petite poche là gratuite, ouais. Je suis sûr qu'il l'entend sur la télé. Bien sûr, bien sûr. Et là, il va faire à la pause. Il faut bien qu'il entende qu'on le déteste, en fait. C'est ça. Il faut qu'il s'en rende compte, en fait. Pour qu'on lui donne de la notoriété, de la visibilité. Parce que sinon, personne n'en aurait entendu parler de Coca. C'est vrai. C'est celui qui a le moins de followers chez nous. Tout le monde le déteste. Tout le monde le déteste. Personne ne sait son vrai prénom. Ouais. Des fois, quand il perd des locaux, on espère qu'il va se faire renverser par un bus. Too much. Non, ça va. Non, c'est ok, ça représente effectivement bien la pensée. Beaucoup de arrivent en cours de production du côté de chez Elseba. Mm-hmm. 22 drones, pardon, 3 hatch, ça sent le petit Lynx Flood. Ça sent le giga Lynx Flood. Bah, après, il refait des drones. Je crois qu'il se sent détecté. Hein. Dans le doute, je vais caler une petite fournée, tu vois. C'est ça. Genre, en fait, il a voulu bullshit la macro game, et du coup, son speedling est méga tard, et du coup, maintenant, il bullshit un peu le Link Slot parce qu'il est quand même passé à 28 drones, mais tu vas pas faire que des links sur 28 drones, donc où est le Bending Nest, où est le Roach Warren, et où est le pool de drones pour miner le. Pour miner des trucs, et là, il fait une somme d'émotion. Genre, c'est le supply block est complètement massif ici. Là. Quoi ? Ouais, en fait, il a commencé par wall avec la gate, ouais. Mais il avait envoyé la shade avant pour que l'adepte se sauve. Et là, il avait peur que l'adepte meure malgré tout avant que la shade se termine. Du coup, il la pick up. Et en fait, quand une shade se termine, le graviton beam ou pas, tu sors, en fait. Ah, ok. Est-ce que j'ai cru qu'il l'avait. Qu'il avait cancel le sort du graviton, et qu'il était retombé à droite, en fait. Bah, en fait, si typiquement t'avais posé un bâtiment à l'endroit juste où. En dessous, ouais. Juste en dessous, effectivement ça se serait produit. Ouais. Mais enfin, peut-être pas à cet endroit là, tu vois, mais. Mais au moins, il aurait tombé à côté du bâtiment, enfin du socle du bâtiment. Mais ça aurait été un motherfucking coup de génie de juste utiliser le bâtiment pour le. S'il avait pu, hein, ça, alors c'est pas. Enfin, ça aurait été compliqué vu le setup, mais de le faire, ça aurait été un peu coup de génie parce qu'en plus, bah, tu sauves 5 ans d'énergie sur ton Phoenix. Du coup, ça veut dire que le graviton n'annule pas la shade. Non, c'est assez intéressant. Je ne le savais pas. The more you know. Et ici, du coup, les deux oracles vont arriver. Il n'y a pas de spawn. Oh non, hein. mais non. Alors, il voulait poser la spawn. Il y a un drone inactif. Il y a un drone, il est AFK, mais il était avec son petit patch de minerai. Il était en mode genre j'y vais pas. Putain, mais Roger, on t'a dit d'y aller. C'est terrible, c'est affreux. Showtime se moque de tout. Tandis que Lesba, pauvre pouilleux. merci, l'Eskimo, du coup, pour le Prime. Big up à toi. Ils appellent ça un Prime. Un Prime. Ah ouais. Et même quand il n'y a pas ta voix, t'es obligé de le faire. Bah moi je suis extrêmement déçu de ne pas entendre les alertes, tu vois. Ouais. Parce que c'est ton alerte. Non, parce qu'il y a aussi celle de Coca. Et c'est m'excite un peu. Du coup t'as pas fait celle de Coca, salaud. Bah, parce qu'il faut que ça soit Coca qui la fasse, je vais la faire mal, tu vois. Ah putain, ici il y a une queen qui nous a quitté. Et sans doute la deuxième, non, on est en train de target les drones. Mais c'est un petit peu une sorte de chamboule tout. Ou de piñata, de ball trap. Bref. Ouais. One HP Oracle. Oh 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 oh. Queen. Queen. But là. Non, il va pas taper là. Si, sniper. C'est bon. Oh, elle a tout régénéré. Non, mais. Et puis là, elle est de l'autre côté de la fougère. Oh, est-ce que t'es pas mad? Genre. C'est horrible. Saved by fougère. C'est incroyable. Une fois, j'ai été sauvé par. Un élément du décor. On a donné une médaille à cette fougère. Putain, il a perdu 37 ressources, c'est la gate qui l'a cancel dans son wall. Sinon, c'est une perfect game.
sinon c'est une perfect game. Mais Romain, il avait perdu que un marine, quoi, tu vois, donc. Mais en vrai, genre pareil, je trouve. Enfin, idéalement, oui, il perd jamais d'unité, mais en vrai, tu serais quand même probablement en mesure de quasiment finir la game si t'avais accepté de perdre des unités à des moments ou d'autres, tu vois. Et la game est dure, et genre, il est toujours en train de reprendre, hein, il a rien dessus, il a même pas une probe, même pas une Cayenne. Il met la barre aux espoirs! Non, mais quitte, sors de cette game. Non, mais la greediness, ça suffit quoi, mais au bout d'un moment, ça se voit, il y en a qui vont en prison pour ça! Ah, mais moi, en Islande, les mecs qui ont essayé d'être greedy, ils sont tous en prison maintenant. Ah, hein. On salue bien sûr nos amis du système bancaire islandais. Ok, un aura qui finit par mourir, c'est la première perte de Showtime dans cette game. Ah, peut-être le Phoenix s'il fait. Ok, non, ça va. Beaucoup de Bane XD. Sont produits, 18 au total, mais je crois qu'il y a pas mal de champs de force. Ouais. Donc ce que va dire Showtime, c'est non, en fait. No is no, bien évidemment. Bah, elle s'est bat là, il s'est dit, ah mais là, il n'y a pas de wall. Et Showtime va faire, well, t'inquiète. I make a wall, yeah. Et du coup. Et c'est du slow Bane en plus maintenant. Ah, ok, ça vient de passer sur des crochets centrifuges ici, mais quasiment tous les Bane sont morts. Alors qu'il ne s'est rien passé, certes. 12 sondes nous ont quittés, mais regardez, on a 38 hein, ouais, en face, donc on fait pas non plus le malin. Bah, en vrai, il aurait pu envoyer un wall de sondes de la B3 contre les Bendings pour contrer et attaquer avec le reste de son armée. Il aurait quand même été devant contre deux probes, tu vois, donc c'est un peu. Ah, les Larcons qui va bien tanker facile. Ici. Facile. Allez, il va peut-être mourir parce qu'on va pas pouvoir le pick up, mais bon, c'est fait pour ça, les Larcons, hein, c'est fait pour encaisser. Et ici, on n'est pas sur Bloodbath et pourtant c'est bien un carnage, un bain de sang. Ouais. On va quand même avoir le plus de mêlée alors que Showtime, lui, il lance plus en attaque. Et merci pour la donation de 20€. Trop BG les gars, bravo pour ces gaz de qualité, merci beaucoup, effectivement. C'est très généreux, c'est très agréable à lire. Ouais. Agent Orange 51. Et ici, en fait, on dirait qu'il attend le bon jeu en Showtime. T'as fini de jouer? Dimauer, il joue sa meilleure vie, hein, c'est-à-dire standard macro game défensif. Hein, c'est son petit plaisir du mois, en fait. Hein, c'est la petite croquette. Voilà, c'est ça qu'il aime. En plus, en vrai, il y a peut-être un truc, et c'est peut-être aussi pour ça que Euromarine l'a fait, c'est t'as un peu ce sentiment de puissance contre un Zerg que t'as pas forcément contre un joueur de ton niveau qui va te challenge, tu vois. Mmh. Et genre, t'as ces unités Zerg qui meurent et ça te fait un peu plaisir intérieurement. En tant que proto souterrain, t'as ce plaisir. Allez, GG. Elle sait pas qui voit l'armée qui traverse et qui se dit impossible que ça tienne. Il faut absolument sortir de là avant que l'humiliation réelle ne commence dans une prise de fight offensive de la part de Showtime. En tous les cas, ça va nous amener à la deuxième partie du match, hein, qui est la partie all kill, qui devrait se jouer en une manche, a priori. Juste la question, c'est qui tu renvoies entre Dastan et Alvrid? Celui qui a envie une fois de plus de se faire péter la gueule. Voilà, de prendre tarif en fait. Parce que honnêtement, c'est vraiment. Ça va se jouer à ça. Hein. Ouais. Donc, ouais, effectivement, en tous les cas, vous pouvez pendant ce temps-là aller sur le match Arena et acheter les items de Nation War, bien évidemment. Il y a des vêtements, il y a un mug et il y a aussi des items in-game, portraits, spray, etc. que vous pouvez acheter. 30% de ce que vous dépensez pour acheter des items, n'importe quel item, est reversé directement au cash price. Et ensuite, c'est redistribué entre O-Gaming et match Arena, bien évidemment. Donc, c'est une manière supplémentaire de soutenir O-Gaming SL2, mais aussi nos partenaires match Arena également. On remercie bien sûr Blizzard Entertainment, Predator France et Samsung Stockage France. Nous, on part en pub. Exactement. Et on se retrouve juste après pour la suite de ce premier match de la journée. A tout de suite. Une fumée de mystère englobe ce match, bien évidemment. Ici, entre le Chili et l'Allemagne, non pas sur le résultat possible, mais sur quelle stratégie, quel outil de torture sera utilisé par Euromarine contre son adversaire Alvrid. Effectivement, parce que du coup là c'est Euromarine qui repart pour un second tour, tout simplement. Second tour de piste, on n'a pas encore le joueur chilien, moi ça a été updaté là tout de suite maintenant. Ah, on l'avait pas? Non, on l'avait pas, avec Euromarine alors. Je crois qu'Aeromi en régie a dit Alvrid. En tous les cas, on verra. Voilà, c'est le joueur chilien, de manière quelle qu'il soit, va se faire éclater. C'est juste. Oui. C'est pas comme les matchs de la Norvège où t'as un Poséidon ou un King, genre ça tente des trucs et tu te dis peut-être qu'avec le bon setup, même contre un joueur fort, genre t'as fait une game tendue et si tu rejoues, peut-être que t'arrives à accrocher une game ultra scrappy. Mm-hmm. Why not? Ouais, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est des joueurs qui ont mis littéralement 7 minutes à chaque fois pour tuer une unité à leur adversaire. Parce que même la première game, Dastan, genre, il tue pas d'over. Non.
et il traverse sur la minute des 6 minutes 40, quelque chose comme ça, et il tue les premiers Zerglings. À l'aide. À l'aide. Bah ouais, non mais c'est l'écart de niveau qui parle quoi. Ah ouais, donc, non mais bien sûr. Ouais, non mais genre, je sais jamais trop quoi dire dans des circonstances pareilles. C'est vrai qu'on sait jamais trop quoi dire dans des circonstances pareilles. Donc on va jouer sur... Ce qu'on peut dire c'est que Thierry nous doit 100 francs depuis au moins un an. Eh oui, ça on peut le dire. Thierry nous doit 100 francs depuis bientôt un an. Ça va être temps de les récupérer. Bien sûr, François Pérus, Dieu vivant. Big up. Donc... Boiseau de foudre, TVZ, le remake du, de la rencontre qu'on a eue entre ces deux joueurs. Et il y a moyen que ça parte aussi sec qu'à l'aller court-tour en fait. Est-ce que tu crois que Hiro Maren, il a voulu rejouer parce qu'il s'est dit... ça fait 6 fois que je suis en Nation Noir, j'ai joué qu'une trentaine de games et j'ai pas genre un ratio qui est représentatif de mon niveau actuel. Du coup là je vais me rentrer quelques free wins. En vrai ça pourrait, tu vois, genre ça serait un peu big game ego, tu vois. Ah oui, bah big game big ego hein. C'est ça. Mais effectivement ça pourrait être un choix, enfin une raison. Absolument. Alors qu'en bas à droite, l'underdog, c'est bien évidemment le Chilien Alfred. Et en haut à gauche, le joueur Terran Team Germany. Vous connaissez bien évidemment, il s'agit de Big Game Hiro Maren. Si vous posez la question, pourquoi on l'appelle Big Game? Mais parce qu'il est énorme. Mais il est massif, notamment en termes de cerveau. Big Bang Gaming, hein, très rapidement le bon Big Game. Merci à Jacques Côté. Jaco Premier. Jaco Premier, exact. Bah premier, oui, non, s'aligner. Mais moi j'ai cherché des trucs compliqués. Je me suis dit, ah, c'est un gamer. J'ai cherché du lit. Et du coup, voilà, et pas du tout. Et en fait, j'étais juste un vieux con qui essayait de comprendre les jeunes. Arrête. Alors c'est plus de ton âge. Alors que toi, tu as compris la simplicité. Mais c'est important d'avoir des gens simples d'esprit comme toi pour nous. Attends. Attends, comment t'as retourné ça là? À quel point on regarde là? Fidélité sans faille à Prophétie depuis le début de l'aventure et les premières vidéos commentées sur YouTube. Wallé! Merci Alphonse Zeratul. Alphonse Zeratul, the most ambitious crossover quoi. Je suis désolé, mais c'est genre. C'est vrai que c'est parti. Alexandre Archon, bien sûr. Ouais, mais écoute, moi je pense que c'est un parti pris de l'artiste et tant qu'il assume son choix artistique, j'apprécie. Le nouveau livre de Victor Chancre, bien sûr. En vrai, Victor Chancre, ça sonne pas si mal que ça. Et moi, j'aime bien le fait que Building soit traduit en Chancre. Parce que j'aime bien le CH, je trouve que ça... Ça correspond bien à la sonorité de l'acide sur tes marines. Exactement. C'est vrai, c'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment incroyable, putain. je trouve que ça marche super bien comme traduction. Chancre. Chancre, voilà. Voilà. Tout est dit. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire une masterclass? Non. Donc on passe à autre chose. Et la suite, c'est ce petit faucheur. Mais de manière, on a besoin de rien, Alcoste, à part de l'amour de nos prochains. Ouais, vite fait quand même. Moi je... Bah les couilles, frère. Ah, ok. Voilà. Très bien. Genre, moi je suis solo. Pour une fois que je faisais un message wholesome et tout, genre aimez-vous, bande de fils d'ab. Ouais, bah, mais du coup j'y ai pas cru. Ouais, mais t'as bien fait. Hein. T'as bien fait parce que j'avais un couteau là. J'arrivais avec une punchline giga dark derrière, mais bon, vu que t'as pas suivi, ça marchait pas. Et vous voyez, hein, beaucoup de pièges. Hein. Ouais. Beaucoup de pièges par monsieur Hippon. Ah bah, important. Je suis avant tout un grand ami de l'amiral Akbar. It's a trap! Alors on va balancer les petites voitures, bien sûr. Petite voiture télécommandée, mais pas le genre de voiture qu'on offrira à Anatole, tu vois. Ah non. Pourquoi? Parce qu'il y a un putain de lance-flamme dessus. Eh oui. Et même si Anatole est très bon dans le maniement du lance-flamme, le problème c'est que il n'a pas le permis. Et il est un peu petit, donc le réservoir est un peu lourd, c'est un peu compliqué. Mais pour les deux ans, on verra hein, si la poussée de croissance se passe bien du côté du jeune Bambin Yogoesque. Oui, et Akanaesque aussi, ouais. Hein, bien sûr. Hein. Hashtag MeToo, hashtag balance ton papa. qui fait du ladder. Ouais. Viking First, donc on ne va pas faire de BC à mon plus grand regret. Parce que je pense honnêtement qu'il tue au premier BC. Ouais, mais un BC pour les deux minettes, hein, c'est ce qui est dit, je crois, dans le film. Donc, Ouais. Et pour s'en sortir, Raynor doit mettre un battle cruiser dans la montagne des descents. Ouais, il y va de Draven, tu vois, il le matrice et il tombe dans la flotte. Et ça court-circuit. Ouais, la flotte, parce que c'est l'électrique. De manière, si c'est liquide et que c'est pas de la bière, c'est de la flotte, non? 50 euros! Merci M. Dutilly pour les 50 balles. Big up les bros, big up à toi. Merci beaucoup pour ta générosité. Puisque c'est vrai que nous n'avons pas la donation de sub. Mais ça veut pas dire qu'on pouvait pas faire des donations. Hein. Et oui. Du coup, n'hésitez surtout pas si vous sentez l'âme généreuse. Et là, tu t'offres un solide.
solide avance sur cette barre de kiff en tout cas. Absolument. T'as beaucoup, beaucoup de tickets en ta possession. En même temps, MDG, déjà gagné 4 ou 5 t-shirts. Hein. Genre, la barre de kiff, ouais. Manière maintenant, tous mes vêtements, c'est les t-shirts au gaming. Donc, vous avez pas autre chose là, je sais pas, un mug Bah, en vrai, on est censé recevoir du merch Nationwide. C'est vrai. Donc, on pourrait faire gagner. Ouais, à la barre de kiff. Bah complètement, on pourra. Hein. Ça serait la suite logique des événements. Ici, ce petit viking qui du coup va tapoter ce petit dominant qui n'est pas protégé par une queen. Ici, le Reaper qui va aller voir ce qui se trame au niveau de cette B3. Ouais, et on tombe nez à nez avec une queen, donc pas grand chose à faire. C'est vraiment un repeat de leur game sur Disco Blood Bass. Hein. C'est, y a un viking qui est en train de hashtag Osef des queens et tuer des overlords en fait. Genre il vit sa meilleure vie ce viking hein, et pourtant il est dans le rouge, mais il a tué quoi, 3 over? Je sais pas, ouais, je pense qu'il en a moins, il en a pris 2 quoi. Ah ouais. Mais effectivement le viking qui est en mode genre, oh putain mais aujourd'hui c'est facile quoi, normalement je galère et je me fais charcuter, mais là pour le moment ça se passe plutôt bien. Ok, on est parti sur du cafard hein, contrairement à la game sur Disco Blood Bass. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais en fait si tu pars sur du cafard mais que tu oublies tes chambres d'évolution et qu'elles sont produites seulement maintenant, enfin peut-être pas qu'il les oublie, peut-être que c'est son build. Mais en fait ça paraît très inefficace parce que ouais tu vas avoir des roaches, mais tu vas avoir des Bane qui ne vont pas avoir le speedling très rapidement. T'as ni le speedling ni le roach speed très rapidement. Et tes chambres d'évolution sont tardives. Ta B4 est pas... Si elle est quand même plutôt rapide, hein, ouais, plutôt rapide. On est sur 65 drones pour Alfred quoi, donc on a vraiment appuyé sur le bouton drone. Hein. Après ouais. C'est le layout de la carte qui force ça avec une seule rampe à défendre pour le joueur Zerg. Mm-hmm. Donc c'est sûr que bah, il suffit de. C'est plutôt simple à défendre les agressions early game. Mais là Aeromarine qui du coup va sortir sur ses deux premiers medivac. Réellement comme la game d'avant, tu vois, c'est ouais, juste ouais. Il a fait ouais, je suis pas sûr d'être bien échauffé, j'y retourne. Alors par contre, attention à pas s'oublier sur l'armurerie hein, du côté de Big Gabe, ça serait dommage en fait de perdre l'avance qu'on a aux upgrades, hein, parce que c'est ce qui pourrait finir par se produire. Non mais faut arrêter ça. Meilleure vie. Meilleure vie. C'est quoi ? L'oiseau. Ah c'est dommage quand même. Sa vie de meurtre d'over, l'oiseau. Alors on va prendre quand même ce petit dominant. Merci Rare Zulu pour les 59 mois. Au 60e, tu auras le badge Iron Squid. Eh oui, c'est le mois prochain, ça arrivera. Ici, on target cette hatch, on va remonter dans les medivac et on va s'en aller. Beaucoup d'upgrades se terminent sur le droit de votre écran 4. Au total, effectivement, l'armurerie était un petit peu late parce qu'on la pose que maintenant. Ouais, on va se faire un peu rattraper aux upgrades. Va y avoir une fausse infestation. En vrai, cette game est clairement déjà la plus serrée. Ouais. Parce qu'il y a un joueur chilien qui n'est pas en position de mourir maintenant. Alors ce serait bien qu'il dépense cette une parce que là et qu'il arrête de supply block toutes les deux minutes, ça serait vraiment vraiment bien. Mais en vrai il avance vers le T3 et ouais, si tu veux gagner une game en tant que Zéa contre un joueur plus fort que toi à l'heure actuelle, t'as tout intérêt à avoir le T3 et la fausse infestation. Bon forcément l'un va avec l'autre, mais ce que je veux dire c'est des infestateurs sur le terrain quoi. Mais attends mais il paye des bunkers. Bah en fait il a peur de se rouler. Mais en fait là Big Game il est en train de mal lire la game hein. Ouais il y a effectivement un problème. Alors oui, le Brawl Breed se montre agressif en sortant sur la carte et compagnie. Mais je suis pas sûr que les deux bunkers changent quoi que ce soit dans ta défense. Quand il y a 4-5 tanks sur le high ground, honnêtement ça suffit hein. T'es pas obligé de payer ce 150 du coup de défense statique. En vrai, c'est presque des bunkers qui sont entre guillemets irrespectueux, pas dans le sens volontairement de manquer de respect à Breed, mais de se dire genre le mec est moins bon que moi, du coup il pourrait faire un truc random que j'anticipe pas. Du coup, il vaut mieux être sécuritaire que d'avoir des problèmes. Et c'est pas forcément une mauvaise logique à avoir, mais attention à ce que ça finisse pas par te coûter trop cher et qu'au final tu laisses. Enfin, la raison pour laquelle les terrains ne font pas ça à toutes les games, c'est qu'il y a un moment ça te coûte des thunes en fait. C'est ça. Donc tu peux pas juste faire gratuitement des bunkers et n'avoir rien d'autre qui se passe. Là, il nettoie un peu de creep, il tue un Overlord, mais c'est pas grand chose. Faut réactiver ce deuxième drop là. Je ne sais pas réellement ce qu'attend Aeromarine comme timer. J'imagine le 2-2 et le plus 1 d'attaque pour sortir. Mais du coup, ça veut dire que le tier 3 a eu le temps de se terminer. Alfred, il pourrait balancer une Spire ou une Cavern d'Ultralisk, que c'est cette dernière qui a été sélectionnée. Et en plus il balance le crackling, ça c'est pas mal. Oiseau de foot c'est probablement une des meilleures maps à l'heure actuelle pour jouer ultra. Maintenant je suis quand même pas fan de l'ultra à l'heure actuelle en TVZ en fait, genre surtout quand tu sais que Broodlord Infestateur c'est terriblement fort. Ouais. Je suis très très surpris de ce choix de technologie en plus de ça contre un mec qui a fait des tanks, beaucoup de tanks. Bon, 15€ t-shirt Over 9000 Dratistique, merci beaucoup Point GG. Putain, Point GG, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ce pseudo. Et il était là. Welcome back. On rajoute 4 Vipers, du coup on va pouvoir balancer des Binding Clouds sur l'armée de Aeromarine. Et ici, ok, les 3 queens qui vont intercepter les 2 medivac, mais
Effectivement, cette game est Omega passive. Ouais. Ouais, bah en même temps là, on est en Overwatch 10 quoi. on est quasiment même en Overwatch 15 hein. Albrin il serait très content de d'avoir le temps de faire sa carapace quitineuse et pourquoi pas son speed ultra hein. Les ultras qui depuis quelques mois ont désormais cet upgrade qui leur permet de se déplacer aussi vite en dehors du creep que sur le creep. Donc ça n'améliore pas leur vitesse sur le creep bien évidemment. C'est juste que ça gambade plus vite quand c'est pas dans de la mélasse quoi. Enfin, ça gambade aussi vite plutôt. Bah ouais, du coup, le creep n'a en fait finalement plus d'effet quelque part pour les ultras. C'est creep permanent sous les smells. C'est un peu ça. Tandis qu'ici, on s'avance tranquillement. Attention ici, les tanks, faut qu'ils soient bien spread. Hein, parce que rappelez-vous, il y a 4 Vipers dans le secteur. Ici, on va perdre 2 tanks du coup. En effet, 2 tanks qui sont perdus. On prend du temps hein, pour nettoyer les creep tumeurs. Et là, on va pouvoir se resiéger de manière un peu plus offensive. Est-ce qu'on peut réussir à faire son trou? Est-ce qu'on peut réussir à faire du dégât? On est en train de tout regrouper du côté de Chiro Marine. C'est peut-être un peu une erreur. Hein. J'aurais quand même bien vu ces deux medivac aller agresser dans la main. Maintenant, il y a peut-être aussi ce truc de je vais avoir la certitude de tuer si j'ai toute ma pop plutôt que prendre le risque de me faire potentiellement repousser. Parce que oui, il y a des Vipers, il y a des Bendling, il y a des Ultras. Ça pourrait mal se passer aussi en frontal sur une mauvaise prise de fight. Ouais, là je me demande bien ce que faisait Albury pour pas décaler son armée. Parce que là il a trois voies d'accès à l'armée de Hero Marine en fait. Il peut aller par le centre, à droite et sur la gauche, voire même derrière s'il est ambitieux. Mais ici du coup il a été un petit peu passif et du coup ça fait qu'on est en train de se faire un petit peu avoir par le centre. Et ça arrivait sur la droite avec du coup les Blinding Cloud qui arrivent et les Ultras en première ligne de front. Ça se passe très très bien pour le joueur chilien. C'est une excellente prise de fight pour le joueur chilien qui est en train de nettoyer les tanks les uns après les autres, même si les premiers tanks qui avaient été Blinding Cloud sont désormais sortis de ce spell des Vipers et qu'on a juste pas assez. Et tu vois genre ce type de prise de fight avec une population beaucoup plus intéressante comme Broodlord Infestateur, alors tu peux pas prendre exactement ce genre de fight, mais dans l'idée bah, une fight qui se serait aussi bien passée, il aurait repoussé Hero Marine jusqu'à chez lui quoi. En fait ce qui manquait c'est qu'il avait fait le plus dur, c'est-à-dire envoyer les ultras, envoyer les bombes Blinding Cloud, mais en fait il n'y avait pas de follow-up parce qu'il n'y avait pas d'armée derrière. Ouais. Parce que vu que tous les cafards sont fait broyer peu avant que la fight débute. C'est ça, c'est exactement ça. Bah il y a eu un petit décalage dans la prise de fight, un petit décalage qui c'était pas synchro, n'aurait pas dû exister, et vu qu'il existait ça change effectivement tout. Puisqu'en fait tu passes d'un flux de puissance très important que la canalisation Big Game ne peut pas gérer à bon c'est un filaire, c'est un courant d'eau un peu vénère mais c'est ok. Ouais. Au lieu d'avoir un torrent, on a eu une petite vague sur la rivière. On a eu le petit ruisseau qui descend de la montagne à la fonte des glaces. Ah bien sûr, et on le met en bouteille et on le vend après bien évidemment. Et oui, et on appelle ça de la smart water et il y a des jeunes qui en meurent et c'est super. Attends, il n'y a pas ça sur le script. Qui êtes-vous? Attention ici, on va donner pas mal de links hein, parce que c'est compliqué de revenir. Tout le monde n'avait pas de billets de retour. Ouais, le speed ultra qui est en cours de recherche ici, c'est la dernière upgrade hein, que vous voyez sur la barre de production du joueur Zer. On perd quelques marines mais rien de très très grave. Et les premiers ghosts qui sont sur le terrain qui vont permettre d'éliminer aisément les ultra risques. Super Zaf qui nous dit j'aime la pizza et tu as raison, la pizza c'est plutôt cool quand il n'y a pas d'ananas dessus. Félicitations pour tes un an sur la route poudre. Ah, et d'ailleurs t'as même le droit de revenir une seconde fois. Oui. Big up, tu as quel système? Et ça c'est la force de la pizza. Espérons que ça vaille deux subs également dans le compte en banque. Vous n'avez pas le petit profit hein. Et oui. Capitaliste. Mais non, pas du tout. Ici on va choper du coup les queens qui étaient en train un petit peu de refaire le carrelage avec ses crypt tumeurs. Voilà, l'équipe de démolition est arrivée, elle a fait fuck ton carrelage. Nique-toi. Attention ici on y va, mais tous les tanks sont paqués, ils sont assez loin d'ailleurs donc ça va commencer que maintenant. Mais là j'ai peur s'il y a un Blinding Cloud de Jésus. Oh la vache, il n'y a plus que deux tanks qui tirent. Oh. Vous avez entendu les pupus des ghosts et du coup. Non mais mec, il s'est fait giga Shrek de la Big Game, il a perdu tous ses tanks. Il y a des ghosts qui sont morts aussi, des ghosts qui pourraient continuer à mourir si on pick up. Attends, il y a également un. Ok, il y a des doubles tanks, il y a des drops dans la main. Ok, c'est pour ça aussi qu'on s'est fait un peu Shrek Terrino. On n'avait pas toute la pop. Tellement de ghosts aussi qui attendaient en haut de la rampe B2 que ils sont morts sur la retraite des ultras. Dommage ici, Albrin il avait fait une belle opération mais il s'est vu plus gros que le buff et du coup il a fait oh let's go, je suis chaud. Et non, hélas. Ouais, big buff Gabe, bien évidemment. Merci également à Nerlock, merci pour ces Nation Wars. Longue vie à O-Gaming, merci, longue vie et prospérité à toi, Nerlock. Oh, 4-15, ça commence. Je vais pas compter parce qu'on sait jamais réellement quand ça s'arrête. Vu qu'on repositionne le Libérateur, ça va grimper à 17-18 et plus si affinité. En effet, le Libérateur qui finit par se faire attraper, hein, mais là les contrôles de la bride, ils sont en fait. C'est trop brouillon ce qu'il fait pour que ça puisse interfonctionner. Là, il y a toute l'armée qui se ramène pour un Libérateur. Alors que les deux tiers, pour ne pas dire les trois quarts de son armée, ne peut rien faire contre le Libérateur. C'est ça. Envoie une Viper pour le dessiège, puis tu l'as avec des corrupteurs, mais n'envoie pas tout. Les Broodlords vont finir par arriver sur le terrain. C'est ça, les Broodlords vont finir par arriver. On est en train de faire une grosse transition du coup Libérateur sur 3 Starports. Vous avez vu, les Ghosts qui étaient déjà produits ne vont pas s'arrêter, vu qu'on va en avoir besoin.
peut-être une petite nuke ou aller chercher, mais dans un premier temps le cloak, sans doute l'upgrade de l'EMP parce qu'on ne sait jamais quel follow-up on peut avoir, et peut-être si la game du coup dure dans le temps, le petit supplément nuke sur le, en termes de cerise ouais. sur le gâteau. Ouais, on pourrait même avoir le Battle Cruiser de surprise, parce qu'en vrai il n'y a plus de corrupteur hein, du côté de chez Albrin. On a tout transformé en Broodlord pour essayer d'avoir un espèce de pic de puissance qui permettrait peut-être de passer une nouvelle fois à travers de l'armée de Biggie, parce que finalement il a quand même gagné deux fights Albrin. Le problème c'est qu'en fait il gagnait des fights contre une portion de l'armée de Hero Marine, ou alors sur des fights qui devaient finir par arrêter beaucoup plus vite s'il voulait trade de manière très très efficace. Et il y a 17 speedy ghost qui vont arriver. Les speedy Gonza ghost. Voilà, merci, j'ai pas réussi. Yes, j'ai vu que t'as pas réussi et du coup je suis venu à ton aide. Oh la vache. Pour et mieux après, montrer à quel point je suis supérieur. C'est fait. Ça, parce qu'après tu as lâché la main et je suis retombé dans le trou. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on doit le laisser là et continuer. C'est exactement ça. T'es sûr? Pourquoi tu marches sur ma main? C'est pour pas qu'elle retombe. Merci, t'es gueule. Y'a pas de problème, j'adore être un nain, putain. Attention, les Broodlords qui arrivent quand même à tuer pas mal d'unités. Hein. Certes, on finit par tuer les Broodlings, mais c'est pas très intéressant de se fighter contre des Broodlings. Il va falloir qu'elle ait à terme quelques snipes dans ces Broodlords si on veut réussir à faire le trou. Tandis qu'il y a également un Meivac hein, qui est au sud et qui est en train de taper sur. Taper sur la ligne de minerai, je crois. Hein. Je crois pas qu'on taper sur la AG directement. Allez, c'est parti, tous les ghosts qui sont paqués, on a les glandes pathogènes ici, mais je ne vois pas réellement d'infestateurs. Ici, on est en train de sniper à tir larigot. Ça part dès qu'on peut. Ici, ça s'avance, mais c'est risqué. On commence à perdre pas mal de brûleurs, mais on y va. Avec le tour, on a pick-up dans les medivacs juste à temps, on est reparti. Ce que dommage qu'il n'y ait pas eu une mine qui est tapée dans le pack de Benling, mais pour on est cloqué, il n'y a pas de vigilant, du coup, MDR. On est tranquille. MDR. Je m'arrache au soleil. le mec est tranquille là, tu peux larguer. I'm working on sunshine. Oh là, c'est bon, là on a tué le vigilant et easy peasy les moins squeezy. Et du coup on s'est recloqué. Genre il a enlevé son cloak pendant que le vigilant était là. On a tué le vigilant, on s'est recloqué. Genre on va voir, on va plus. On va voir. C'est plus. Ça. Et du coup on a bureau les mines, sauf que les mines ne savaient pas vraiment sur quoi tirer vu que tous les Zerglings étaient morts. Et ici ça va taper dans les spores et l'extracteur ici en split. Oh là là. Écoute la zik, mais le split est bon et ouais. On y va tranquillement. Speed d'unité, c'est une question de déni d'unité. Et malheureusement, le Chili ne repartira pas de ce match avec énormément d'unité, même si Albrin s'est beaucoup mieux défendu que ses camarades et que sur ce qu'il avait fait sur la game numéro 1. Donc en vrai, félicitations pour ça. Et le résultat attendu du 4-0 devrait se profiler d'ici quelques secondes. Exactement, ici il y a tous les gosses qui s'en donnent à cœur joie. C'est encore plus facile que dans le centre d'entraînement. Et allez, GG. 4-0 pour l'Allemagne. C'était attendu. En tout cas, comme, oui. Comme résultat. Mais effectivement, Albrin qui a beaucoup mieux joué sur ce deuxième round. Mm-hmm. Il a réussi quand même à crush pas mal de fois l'armée de Hero Marine. Oui. Mais bon, les mécaniques parlent au bout d'un moment. Ouais, les mécaniques, quoi. Les quarts de niveau, ce genre de choses-là. Ouais. On n'aura théoriquement pas d'interview hein, de l'équipe allemande. On aura juste le prochain match qui va être enchaîné et qui va du coup le Chili contre les Pays-Bas. On verra si du coup, un peu Chili contre Rhett, on arrive à avoir de la game vraiment serrée. Peut-être qu'on a un Albrin qui arrivera à proposer quelque chose également de manière générale dans ce match, comme il a tenté de le faire ici. En tout cas, on leur souhaite également de réussir à récupérer un point et d'éviter le 0-8 qu'a notamment subi la Norvège, qui était pareillement dans un groupe très très difficile pour eux. Nous, en tous les cas, on va partir en pause juste après avoir remercié nos sponsors, Algost. Et oui, on est bien sûr sur un contenu sponsorisé par Blizzard, mais ce n'est pas le seul. Predator et Samsung Stockage. C'est que du coup, voilà, Maturino, si vous voulez acheter du merch pour augmenter le cash prize et vous faire plaisir, voilà, c'est deux en un, c'est tranquille. Donc nous, on se retrouve dans 5 minutes. T'as oublié le sponsor le plus important? Vous? Les subs? Deep. Twitch Prime? Oui. Tout ça. C'est gratuit. Merci. Merci. Allez.